Nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? C'est mon All My Sneaker 2021, on va passer plus de 40 paires en vidéo aujourd'hui, ça va être complètement dingue. Deux paires ne figureront pas aujourd'hui. Ici là, c'est la paire de l'année pour moi en tout cas, une vraie dinguerie, une vraie pépite. Je me suis ruiné pour acheter ça. Et en dessous, une paire qui m'a été énormément reprochée sur Instagram. Ouais Alex, pourquoi t'achètes ça? C'est une énorme brique. Eh ben, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo les gars. Mais parce que voilà, aujourd'hui on n'a pas le temps en fait. Je vais pas m'étaler 3 heures sur chaque paire parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, donc voilà, je vais essayer de faire très très vite. Et puis voilà, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Mais juste avant, t'oublie pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout. Dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Donc si t'as une question ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Et puis voilà les gars, c'est parti, mon All My Sneaker 2021. C'est tout de suite. Et ça commence très fort avec ma New Balance 327 en collaboration avec Casablanca. Tu peux l'acheter en orange. Moi, je l'ai pris ce coloris en vert. Je le trouve plus facile à porter, parfaite pour l'été. Ma Zoomfly Off-White de la collection The Ten. Malheureusement, je ne peux plus en profiter. Elle est rangée dans sa box à cause du jaunissement. Mais voilà, une collection, cette collection The Ten qui m'a complètement matrixé le cerveau. Il m'en fallait une. Jordan 12 Metallic Red, on l'a vu il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Ce blanc pur, il est complètement magnifique. Une très très bonne Jordan 12. Jordan 1 l'OSE Purple. Franchement les gars, le rose grisâtre là, il convient autant aux filles qu'aux garçons. Foncé, c'est vraiment une très bonne Jordan 1. Ma ASICS 180 Gel Light 3 en collaboration avec Marché Noir, peut-être la meilleure marque de streetwear française, Marché Noir. Oui, je persiste et je signe, c'est les boss. Franchement, une paire de dingues. Va voir sur mon Instagram, il y a pas mal de photos. Jordan 3 en collaboration avec Fragment Design, pour moi, la meilleure Jordan 3 de tous les temps. Et j'assume, dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires? Jordan 1 Mid Electro Orange. Là aussi, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est vraiment pour mes gars qui veulent se différencier, pas faire comme tout le monde. Un jean bleu, un short, une paire de chaussettes blanches. Et franchement, les gars, ça passe avec tout. Osez, c'est pour ça qu'on kiffe la Kicks. Dunk Low Cobalt, sûrement un de mes coloris préférés. Voilà, j'en ai eu plusieurs et c'est la seule que j'ai gardée. Malgré que le cuir soit un peu cheap et fait plastoc. Mais vraiment, quelle silhouette de malade ces dunks. Yeezy 350 Zebra. Alors, la semelle a jauni, c'est pas une fosse, souvent on me le dit. Je l'ai beaucoup portée, elle commence à fatiguer, c'est vrai. Mais voilà, c'est la plus belle des 350. Air Force One High LV8 EMB. Elle est passée complètement inaperçue. C'est vraiment une paire de malades, les gars. Je vous la recommande. Ça coûte rien du tout. Tu cliques ça où tu veux sur n'importe quel site. La broderie sur le côté, là, ça m'a complètement matrixé le cerveau. Incroyable, incroyable. Je suis fan de cette paire. Zoom Fly Vapor Street en collaboration avec Off-White. Alors, les gars, c'est une paire d'athlétisme avec les crampons. T'es pas censé aller dans la street avec. Il y a une vidéo sur la chaîne qui explique pourquoi j'ai acheté cette paire de malades. Quelle dinguerie, tout ce travail de la part de Virgil et Off-White. Je suis fan absolu. Jordan 4 Metallic Red. Là aussi, je l'ai rangé dans sa box. Les empiècements sur le dessus commencent à jaunir. Et voilà, j'ai vraiment envie de la garder très longtemps et de la préserver. L'intérieur satiné pour un confort au maximum. Peut-être mon pack préféré au niveau des Jordan 4. Choisis la couleur que tu veux, mon gars. Ma Lil Ning Furious Racer 1.5, c'est une dinguerie. Alors oui, ça peut ressembler un peu à une ASICS ou à une Balenciaga. C'est un mix des deux, très clairement. Et voilà, on ne sait pas qu'est-ce que tu portes. Tout le monde bégaye devant ce modèle. On m'a demandé la référence peut-être 200 fois sur Instagram. Et voilà, j'adore cette paire. Jordan 1 Court Purple et ses lacets tie and dye. Ma Jordan 1 préférée, tout modèle confondu ever, même ceux que j'ai pas, tu vois, c'est celle-là ma préférée. Et pourtant, vous allez voir, je vais en passer pas mal.
général. Jordan 4 FireRed, la réédition du modèle OG de 1989, la première Jordan 4 de Michael Jordan, c'est vraiment une pépite, une dinguerie. Voilà. Tout fan de Jordan 4 doit au moins en avoir une dans sa collection. C'est un peu obligatoire, voilà, tout part de là. Jordan 4 Union Guava Ice, j'avais acheté ça pour Noël, je me suis fait un cadeau tout seul comme un grand. Et voilà, j'avais payé ça une blend, mais un peu moins cher peut-être, tu peux acheter le coloris black qui est vraiment tout aussi cool. Jordan 3 Racer Blue, une des meilleures Jordan 3 qu'on a pu avoir ces dernières années. La qualité du cuir, les gars, c'est insane, je suis fan absolu. Et voilà, franchement, elle n'a pas pris beaucoup de cotes, vous allez trouver ça assez facilement. Air Force One Free Tolls qui rend hommage aux cabines téléphoniques de New York. C'est une dinguerie, avec le flash et une lumière noire. Tous les détails viennent s'illuminer autour de la paire. J'adore cette paire de Air Force One, sûrement une de mes préférées. Air Force One suprême comme des garçons et son souche coupé en deux qui pour moi raconte plus de 40 ans d'histoire. C'est vraiment une dinguerie. Voilà, je suis fan absolu, impossible, je m'en sépare. Air Force One Love Letter pour fêter la Saint-Valentin. Sa broderie au niveau du talon est un peu grossière, c'est vrai, des petits cœurs partout. Le rose au niveau du daim est légèrement grisâtre, je le trouve trop beau. Et voilà, ces énormes souches rouges, franchement, une très bonne Air Force One qui convient autant aux filles qu'aux garçons. Une Air Force One, cette fois-ci, pour fêter Pâques, la Easter Eggs 2018 et son œuf de Pâques sur la languette. Tout ce jeu de matière, du cuir, du daim, les empiècements verts sont en vinyle, c'est vraiment une dinguerie. Pour moi, la plus belle paire de Nike pour fêter Pâques. Dunk High Spartak Green ou la Michigan, les gars. Vous l'appelez comme vous voulez. J'ai pas eu le temps d'en profiter et de la porter, c'est vrai. Mais vraiment, quelle silhouette de malade. Elle est tout simplement magnifique. Et on continue avec cette Game Royale. Pareil, j'ai pas eu le temps de la porter, malheureusement. Incroyable, elle est tout simplement trop belle. Pareil, ça n'a pas pris énormément de cotes, les gars. Vous allez trouver ça assez facilement. Et voilà, une très très bonne dunk à pas trop cher. On continue avec les Dunk High. Et cette fois-ci, on est sur la Syracuse. Et là, cette fois-ci, c'est ma préférée. Ce orange, ce blanc, c'est incroyable. Elle est tout simplement trop belle. Et voilà, je me gêne pas pour la porter avec tout, jean bleu et tout. Moi, vous le savez, les gars, il y a zéro matching. Incroyable. Elle est tout simplement magnifique. Je l'adore. On reste avec du orange, avec cette Jordan 1 Electro Orange que je trouve absolument sublime. Pareil, je suis tout le temps dedans. Dis-moi, là c'est orange, là c'est blanc. Qu'est-ce que t'en penses? J'arrive pas à me décider. Et là, une sélection de Jordan 1 à pas trop cher. Là, on est sur la Fusion Red et son rouge rose. On sait pas trop qu'est-ce que c'est cette couleur, c'est vrai. Mais les gars, il faut oser, on kiffe la basket, donc différenciez-vous. Et voilà, une très bonne Jordan 1 qui cote pas grand-chose. Et encore une, la Volt Gold, les gars, dinguerie. Alors oui, je peux comprendre que le Volt sur la partie du haut puisse déranger certains, mais franchement, les gars, elle est vraiment magnifique. Et là, c'est vraiment une de mes Jordan 1 favorites. On est sur la University Blue, les gars. Là, c'est bleu, là, c'est noir, ça claque. Pour l'été, tu peux aussi mettre des lacets blancs. Je valide à 4000% la qualité du cuir et du daim. Mais c'est incroyable. Je la trouve vraiment trop belle. J'ai eu énormément de chance. J'ai chopé ça en Early Access sur SNKRS. Ça fait plaisir. Jordan 1 Tokyo Biohack et son colorway complètement déjanté qui fait référence à une Dunk High Undefeated de 2006. Toujours pareil, là c'est noir, là c'est rose, je sais pas vraiment. Et voilà, ce coloris complètement dément, ça part un peu dans tous les sens. Mais j'y trouve quand même une certaine harmonie. Et voilà, pareil, impossible, je m'en sépare. Jordan 1 Rust Shadow, voilà, patina, là on a la patine au niveau du cuir noir qui fait référence
à la rouille, à l'oxydation du fer. Et voilà, là c'est pour ça qu'on a des lacets verts. Au début j'avais pas compris, j'étais là mais qu'est-ce, pourquoi? Et en fait voilà, c'est la mousse au niveau de la corrosion qui peut s'échapper. Et voilà, on se retrouve avec, avec ce vert menthe. Et voilà, et là ça vient illuminer légèrement la paire. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires. Ça va ne pas te plaire à tout le monde, c'est sûr et certain, mais je trouve quand même ce modèle un petit peu sous-coté. Jordan 1 Travis Scott, les gars, mais qu'est-ce que c'est cette paire de malade. Je continue à préférer les coloris marron au bleu là qui viennent de sortir avec Fragment Design. Pour moi, ça c'est toujours au-dessus. C'est pour moi la meilleure paire que nous ait produit Travis, tout simplement. Là c'est rose, là c'est noir, toujours pareil, j'arrive pas à me décider. Vraiment dinguerie, une vraie œuvre d'art. Nike Presto Off-White, le coloris black. J'ai le seum, le souche qui jaunit. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu la haine, mais vraiment la paire la plus confortable de ma collection. Et cette silhouette de côté complètement agressive, je suis fan de ouf. Air Force One Off-White, le coloris Volt. Qu'est-ce que c'est cette paire de malade, c'est bourré de détails. Un shape un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir sur une Air Force One, mais vraiment une dinguerie. Yeezy 700 Wave Runner. Si un jour j'arrête ma collection et que je vends tout, je partirai avec celle-ci au pied. Clairement ma paire préférée. Nike Sakai LD Waffle, le coloris Walter Melon, une dinguerie. Clairement mon modèle et mon coloris préféré avec la Brésil. Tu vois laquelle je parle. Jordan 4 Off-White, le coloris Sail. Mais quelle paire de malade. Sûrement la meilleure Jordan 4 de tous les temps. Dès que je fais un sondage sur Insta et que je fais des comparatifs, ça gagne à tous les coups ça. Et voilà, c'est vrai qu'en ce moment je n'en profite plus. Elle est planquée dans sa box car les empiècements en plastique translucide souffrent d'un peu de jaunissement. Et voilà, j'ai la haine, je vais pas vous mentir. Mais voilà, une vraie œuvre d'art. Air Max 197 by Sean Witherspoon. Bon, c'est clairement la meilleure paire que nous ait produite Sean. Je pense que là, il y a zéro débat. Sean, s'il te plaît, dépêche-toi de revenir chez Nike. Il me faut plus de colorway de ce modèle. Quelle œuvre d'art, une vraie pépite. Je suis fan absolu. Et pourtant, les Air Max, c'est pas vraiment mon délire. Mais là, c'est bourré de détails. Bon, c'est un peu vu et revu quand même. Mais quelle pépite. Air Max 197 Shanghai by Cashrou. Quel artiste de malade. Juste pour cette paire, pour moi, il aurait mérité de signer un contrat longue durée chez Nike. Je le dis, je persiste et je signe. Pour moi, une des meilleures Air Max 97. Ce bleu, les empiècements volants qui font référence à l'eau et aux nuages qui viennent se refléter entre eux. C'est complètement dingue. Une vraie pièce de collection. Air Force One Off-White MCA, les gars. C'est complètement dingue. J'ai payé ça 1600€ sur Klekt. Voilà, on me pose souvent la question. Et ben voilà, c'est pour tous les gens qui ont regardé la vidéo jusque là, c'est vraiment voilà, c'est ma Joconde, c'est mon tableau, j'en prends soin de ouf. Et voilà, vous savez à quel point je suis amoureux de cette paire. Ça fait plus de deux ans et demi que je l'ai acheté. Et voilà, je suis toujours autant amoureux d'elle comme au premier jour, les gars. Et je voulais vous remercier pour les photos que j'ai postées sur Instagram. Voilà, vous avez été ultra nombreux, j'ai reçu v'là les DM et tout. Incroyable, t'oublie pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout. Envoyez-la ce fort, les gars, dans les commentaires. Je viendrai tout lire, répondre à tout le monde si vous avez des questions. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Plus de sap, plus de sneakers, c'est ça qu'on kiffe. On est ensemble, les gars. On se voit très vite. Ciao tout le monde.